Salut tout le monde, c'est Jacrem et aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie sur Plantes contre Zombies Garden Warfare. Donc c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Xbox 360 et Xbox One. Donc c'est un c'est un jeu où il y a des plantes qui se battent contre des zombies, mais c'est pas comme sur téléphone. Là c'est on contrôle une plante et on doit quand même tuer les zombies et c'est en 3D. Donc voilà. Donc je suis avec Flipper Max, que vous ne pouvez pas entendre, qui va jouer le rôle de soigneur. Voilà. Et donc moi je joue le cactus électrique. Et voilà, au fond, rien de plus. Je fais ça en live parce qu'il n'y a pas de mode studio. Et à la fin de cette partie, je vais ouvrir un pack fantastique avec lui. Donc voilà. C'est assez dur. Donc je vais vous expliquer les différentes classes qu'il y a. Donc en plante, il y a le cactus qui est plutôt le sniper. Ouh. Là j'ai pas eu de chance. Encore en plante, il y a le border. C'est une classe au corps à corps. Ensuite il y a le pistolet bois. C'est ce que vous voyez là. Ça, le pistolet. Voilà. Et il y a le tournesol qui sert à soigner. Voilà. Il y en a deux. Et vous demandez pourquoi il y en a qui sont bleus, des fois il y en a qui sont rouges, des fois il y en a qui sont jaunes, des fois il y en a qui sont violets et tout ça. C'est les différents styles. Donc là, moi je joue le rôle de cactus électrique et pas de cactus normal. C'est les skills qu'on peut avoir avec, en achetant des packs. Voilà, donc... voilà. Ensuite, en zombie. En zombie, il y a le footballeur que vous voyez là, que je viens de tuer. Non, c'est pas moi qui l'ai tué, mais c'est pas grave. Encore en zombie, il y a le scientifique. Une classe un peu corps à corps qui sert à soigner. Et voilà. Et le... Ouais, c'est un point à noter, ça aussi, on peut détruire les mines et les boucliers patates des amis. Ensuite, il y a le l'ingénieur. Pourquoi le ingénieur? L'ingénieur, tout simplement. Qui est une classe, je n'ai pas trop trouvé qu'est-ce que c'est en fait. Il sert un petit peu à réparer les tourelles, les téléporteurs, tout ça, en jardin et cimetière. Moi perso, je ne joue pas en jardin et cimetière. Voilà. Et ah oui, je vous ai pas dit, je joue en élimination par équipe. C'est bon. Mais voilà. Et la dernière classe, c'est le... Non, je vous l'ai dit. C'est le fantassin. J'allais dire le footballeur, mais non, je l'ai déjà dit. Donc, si on régénère un équipier, ça enlève un point à l'ennemi. Et hop, vous voyez, en haut, régénération moins 1. Et ça donne 50 pièces. Donc en fait, le but du jeu, ce n'est pas trop de faire des kills, en fait. C'est plus de remporter des pièces pour pouvoir acheter des paquets. Et voilà, ce n'est pas de l'expérience qu'on gagne, c'est des pièces. Donc voilà. L'expérience, ils nous disent ouais, mais dans l'accueil, tu vois, toi t'es niveau 30, je sais plus combien, il y en a qui sont niveau 40, tout ça. Alors, c'est pas en tuant des personnes qu'on met des niveaux. C'est en faisant monter nos plantes de niveau. Et les plantes, comment on les fait monter de niveau? En faisant des défis. Moi, regardez ici, vous voyez cactus niveau 11. Voilà. Et vous voyez, il y a des défis, plein d'étoiles. Et une fois que j'aurai fait toutes ces étoiles, je monterai d'un niveau et mon rang, voilà, je suis rang 34 là-haut, et mon rang montera au rang 35. Voilà, tout simplement. En fait, là, toute la partie, je vais rester ici, parce que c'est un endroit très bien pour le cactus, vu que je suis sniper. Bon, d'accord, je fais pas beaucoup de kills. Comme je vous dis, c'est pas le but de faire le kill. Le but, c'est de s'amuser, comme dans tous les jeux. Et voilà.
Ils ont eu... je sais pas trop comment dire. Mais ils ont bien fait de sortir le jeu, voilà. Ils ont bien fait de sortir le jeu. Voilà. C'est ça que je voulais dire dès le début. Donc, le son du jeu, je ne sais pas s'il est assez haut. Ou trop fort, je sais pas. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler des atouts. Enfin, des capacités. Donc moi, j'ai la mine patate pour le cactus. Et le bouclier noir, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et le drone high, voilà. Pour voler, tirer sur les ennemis. Et il se fait tuer très facilement. Ensuite, sur le tournesol, il y a le crayon pour soigner. Alors là, c'est un arc-en-ciel, c'est une capacité spéciale qu'on gagne depuis la nouvelle mise à jour. Donc là, ne vous dites pas. Ne dis pas pourquoi c'est arc-en-ciel, c'est normal. Ensuite, il y a le pot de fleurs pour soigner. Pour soigner quoi. Et le rayon laser. À la fin de cette partie, je vous avais dit j'allais ouvrir un pack. Et voilà, je vais ouvrir, pas de plan plastique. Et attention. Alors. Ouais. Un peu que des trucs bidons. Bon, alors j'ai eu une couronne pour le mordeur. Une danse pour le mordeur. Des fleurs de soins pour le jardin et cimetière. Et pour le jardin Hobbs. Des trucs pour le mordeur, je sais pas trop. Encore une danse pour le mordeur. Des 5 étoiles passer défi. C'est pour passer les défis et monter de niveau plus rapidement. Rayon vide. Rayon du vide solaire. C'est voilà, c'est une des capacités spéciales. Toxico. Ouais, ça c'est une vignette de personnage, voilà, que je vous dis. Donc là j'ai débloqué le toxico poids. Une vignette pour le mordeur mécanique. Je vais voir à combien de minutes j'en suis. Oh, 7 minutes. Allez, on va faire une deuxième partie. Ah, il y a des gens qui parlent. C'est un peu flou. Flou. Attendez. Excusez-moi. Allez, reviens. Voilà. Donc, vous m'excuserez un petit peu pour le flou. Voilà. Donc je vais essayer de chercher une place en plante, j'espère. Parce que on peut. Oui, allez, je vais faire une partie en jungle. Allez, pourquoi pas. Donc je vais jouer avec le scientifique astronaute. Voilà. Et voilà, je suis avec l'astronaute. Et donc j'ai pas fini de vous parler des capacités, donc je vais parler des capacités. Donc juste avant. Voilà. Non, ils sont tous mutés. Donc les capacités pour les plantes, j'ai pas terminé. Donc avec le mordeur, il y a le creusement pour creuser sous la terre et manger les zombies et les tuer en un coup. Ensuite, il y a les orties pour piéger les zombies, les faire. Voilà, c'est ça. Vous voyez là, les orties. Et je tue juste un petit pistolet quoi. Là, et je suis quand même mort. Donc, ensuite, il y a la glu pour arrêter les zombies parce que les zombies courent vraiment vite comparé aux mordeurs. Donc, c'est très dur de les rattraper. Donc la glu c'est fait pour les ralentir et pouvoir les manger. Et la dernière capacité il y a sur les pistes quoi. Donc il y a 4 classes de chaque, 4 classes zombies, 4 classes plantes. Et voilà. Donc piste au poids il y a le bombe de Fayopeter. Donc bombe de Fayopeter, c'est un Fayopeter qu'on lance. Voilà, c'est un mordeur. Oups, il y a un truc qui est tombé, donc c'est pas très grave. Ah, c'est même mieux ici. Bon, bah, j'y penserai pour la prochaine fois. D'accord, cool. Ah. Voilà. Il y a le...
bombe de chaleur, etc. La sulfateuse à poids, qui sert à se planter dans le sol et à tirer avec, avec une sulfateuse. Et le... Je crois que j'ai tout dit. Non. Ah oui, la capacité hyper. Là, il y a un mot vert. Voilà, c'était la capacité croisement. Voilà. Et sauf qu'il ne nous a pas attrapé. On a eu de la chance. Excusez-moi, je suis obligée de dire. On a encore eu de la chance. Bon. Donc, voilà. Je crois que j'ai. La capacité hyper. Qui sert à. Qui sert à aller plus vite et à sauter plus haut. Voilà. Voilà. Ah, un grenaille. Voilà. Je l'ai tué par beaucoup de chance. Un mordeur. Ah. Ah. C'était un peu l'embrouille ici. Hein. Il y a des plantes qui commençaient à venir. Oh, j'ai une musique qui s'est lancée dans mon casque, je sais pas si c'est vrai. Et ensuite, les zombies. Voilà, les capacités des zombies. Donc là, je joue avec l'astronaute. Enfin, le scientifique plutôt. L'astronaute, c'est un skin du scientifique. Donc il y a la bille explosive collante qui sert à se lancer. Et quand il y a un zombie qui passe, une plante pardon, qui passe à côté, ça, enfin, comment dire, mais ça lui fait des dégâts quoi. Qui c'est qui m'empoisonne? Ça fait mal. Ensuite il y a la téléportation qui est plutôt marrant. Allez. Oh. Allez. Ah. Voilà, c'est plutôt marrant là. Donc ça c'est le rayon solaire. Non, on s'est entretué. Ah non. Si, on s'est entretué. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entretuage dans ce jeu que dans les autres. Parce que. Il faut le temps que la balle arrive jusqu'à l'ennemi. Je trouve que c'est mieux fait que dans les autres jeux. Où il fallait. Où à peine on tirait, la balle est arrivée à l'ennemi. Voilà. Je vais tuer et. Je pars. Je vais me poser un poste de son, voilà, comme ça, qui sert à cailler. Alors, voilà. Les scientifiques et les tournesols soignent beaucoup plus vite que les autres skins. Donc ensuite, pour le potassin, il y a le ZPG, qui est un gros canon qui se... Un gros canon qui tire sur les ennemis et qui one-shot en coup direct. Le saut en réaction qui sert à sauter haut pour aller dans des endroits inaccessibles en plante normale, enfin en zombie normaux. Et le gaz puant qui sert à empoisonner les zombies qui vont dedans. Enfin empoisonner c'est ce que je dis, mais ça empoisonne pas trop. Ça leur fait des dégâts. Ça fait des dégâts aux plantes qui passent dedans. Ah, voilà, Fire Peter. Oh, yeah. Ça fait mal. Et ensuite, il me manque un skin, c'est l'ingénieur et le footballeur. Donc je vais pas terminer encore. Donc l'ingénieur qui a le drone zombot. Donc c'est comme le drone eye, sauf que c'est en mode zombie. Le marteau piqueur qui sert à aller plus vite et se protéger des mordeurs. Et le... Comment ça s'appelle? Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a d'autre déjà? Ah oui, la grenade supersonique ou un truc comme ça qui sert à ensourdir les ennemis pour qu'ils bougent plus. Oui, je sais pas si ça se dit ensourdir, mais voilà quoi. Et le footballeur qui a le tackle sprinté pour aller plus vite et faire des dégâts quand il y va. Ensuite, il a le lancer de diablotin. C'est comme le Firepeter, à peu près, hein, mais en mode zombie. Et le... Attention, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, le mannequin bouclier qui sert à poser. C'est comme les grenades noires en fait. Ça sert à poser et à se protéger. Bon voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, la petite vidéo sur PVZ. Un jeu qui pour moi est très 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 bien. Voilà, encore c'est tombé.
Et voilà, donc je vais vous dire à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Mettez des pouces verts, ça me ferait plaisir. Et ciao tout le monde.